Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, France 2 fait une erreur d'orthographe hilarante en direct. Découvrez le fou rire garanti autour d'Anna Wintour rebaptisée Annale Wintour. Ce vendredi 26 juillet 2024, Paris s'anime à l'approche de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, prévue pour 19h30. France 2, le diffuseur officiel, a passé la journée à retransmettre des images des préparatifs, des relais de la flamme olympique, et à interviewer des célébrités. Parmi les moments forts, les téléspectateurs ont pu voir Snoop Dogg porter la flamme olympique. Le rappeur, visiblement enthousiaste, a déclaré « Je suis ravi de voir les athlètes se donner à fond à Paris. Nous allons avoir des compétitions incroyables et j'apporterai ce style Snoop dans le mélange. Ce seront les jeux les plus épiques de tous les temps, donc restez connectés et ne lâchez rien. » Mais l'événement du jour qui a déclenché des fous rires est la bourde de France 2. Lors d'une interview de la célèbre rédactrice en chef de Astérisque Vogue Astérisque, Anna Wintour, la chaîne l'a présentée comme Annale Wintour. La journaliste Margot Manière, en direct de la Fan Zone, avait expliqué à Anne-Sophie Lapix qu'elle avait rencontré beaucoup de stars la veille. « Dis donc, Margot, mais vous avez très bonne mine. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait hier soir ?» a demandé Anne-Sophie Lapix. Margot a répondu avec enthousiasme, « Ah là là, j'étais à une soirée extraordinaire, casting 5 étoiles hier soir. » La faute de frappe n'est pas passée inaperçue. Sur X, anciennement Twitter, les réactions ont fusé. La toile s'est enflammée de rires et de commentaires moqueurs, transformant cette bévue en moment viral. Alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 approche à grands pas, cette petite erreur de France 2 ajoute une touche de légèreté à l'excitation ambiante. Ne manquez pas de suivre les événements en direct pour découvrir ce que nous réservent ces Jeux qui s'annoncent déjà inoubliables. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 commencent déjà sur une note humoristique avec cette bourde de France 2. Restez connectés pour suivre d'autres moments inédits et palpitants tout au long de la compétition.